Et salut à tous du monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Prism. La cabine est vide, je ne comprends pas, je suis sûr que l'homme est rentré dedans. C'est quoi ce délire? Donc je rappelle au dernier épisode, pour ceux qui l'ont vu il y a un moment déjà. Un mec est rentré dedans juste après l'arène, c'était assez bizarre, et le mec a des pop, il n'est plus dedans. Salut Hugo, bienvenue, bonjour à tous. Il n'y a pas de Nogrum. Ah, mais je suis Keblo en plus. C'est la quête principale? Parler à cabine téléphonique. Encore? Quoi? Parce que là, je peux pas faire la suite. Regarde bien ton environnement. Je vois rien. Si, les spoils vont commencer. Allez, il y a coupe, mais on s'en fout. Bon, y'a rien. Hein. Parler à la cabine téléphonique, je vais parler à la cabine. Je parle même aux arbres. Hein. Je parle aux arbres. Salut. Je l'ai vu qu'il y avait un truc sur le mur de l'arène, mais... Mais ça change rien, j'ai appuyé déjà. J'ai appuyé, ça a pas marché. C'est une blague? Est-ce que c'est une blague? J'ai appuyé, ça a pas marché. Il me semblait bien qu'il y avait un problème là. Bref. J'ai eu la même, je te rassure. Ah, on est d'accord? J'ai appuyé, il s'est rien passé. Je suis tellement impressionné. Tu as réussi à me voir à travers mon tout dernier déguisement, l'amazing pan de mur. Dis-moi. Cela fait très exactement longtemps. Cela fait très longtemps, que je ne t'avais pas vu. Bravo pour ta victoire à Kanto. Mais revenons à nos what. Tu as réussi à percer mon déguisement et tu as donc réussi le test. Je ne t'en pensais pas capable. Le test? Quel test? Vois-tu, notre grand chef éprouve le besoin de te rencontrer. Pour voir si tu es prêt à faire une telle rencontre, je me suis donc camouflé ici en attendant ton arrivée. Tu as même réussi à surprendre l'un de nos agents en sortant de l'arène. Bravo. Tu es donc effectivement prêt à rencontrer notre chef et à pénétrer dans notre quartier général. Suis-moi. What the fuck? C'est le TARDIS? Bien, nous pouvons accéder au QG depuis cette cabine téléphonique grâce à notre badge. Comme tu n'en as pas, il va falloir qu'on se serre un peu. Attention, c'est parti. Mon petit art. Mais il était aussi, trop fort, tard. Pas trop secoué, parfait. Bienvenue au quartier général des forces de police internationales. Tu fais partie des rares élus civils à être venus ici. Bien, le bureau du président se trouve au premier étage, dans l'aile est. Je t'y attendrai. Ah, et n'essaie pas d'entrer et visiter. Tout est strictement restreint d'accès et tu n'as pas les autorisations, encore moins de badge. Bon, bien voilà qui vous résout le mystère des cabines téléphoniques, je suppose. Ok. Je suis pas convaincu, là. Me dit d'aller où, ce con? Oublié. La musique est cool, la musique est marrante. Là, c'est quoi? C'est des TP en fait? Non. Après, je peux visiter un petit peu quand même. À l'étage. Un instant, s'il vous plaît. Qui êtes-vous et que faites-vous ici sans badge? Je suis attendu par le président. Enfin, de ce que j'ai compris, je suis maveur. Très bien, mon collègue va aller vérifier ça. Il n'a pas bougé? Oh Michel, tu as vérifié si cette personne est attendue? Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai que c'est moi le collègue. Autant pour moi. Garde un œil sur la personne susnommée. Tandis que je vais quérir les informations quant à son rendez-vous. Excuse-le, c'est pas une flèche. Il y a des décorations pour ta maison. Jure, ça c'est bien ça. Pardon mademoiselle, je me suis... Présentement à la... Ah oui, mais j'ai oublié de retourner d'ailleurs. Je pouvais peut-être aller retourner voir l'autre pour la maison. Pardon mademoiselle, je suis présentement à la recherche d'informations concernant l'occurrence d'un événement de type rendez-vous.
Ah non, mais c'est quelque chose, ça, quand même. Il vient là et il voit pas qu'on discute, il interrompt les discussions comme ça. Ah non, mais vraiment, hein? Bon, c'est quoi le nom? La personne a pour dénomination le patronyme de Maver. Putain, what the fuck. Oui, bon, bah oui. Maver. Entretien prévu avec le président. C'est bon, il peut y aller. Ça me fait penser à. Aux femmes dans le film Astérix, le dessin animé, j'ai oublié le nom du exact. L'article A3B, je sais pas quoi, là. A354B, j'en sais rien. Mais. Le laissez-passer à 38. Le mec, il veut juste. Sortir de ce truc, quoi, au final. La personne susnommée Maver a reçu l'entière autorisation de pouvoir pénétrer dans le bureau du président avec effet immédiat. Bon, bah, vous pouvez rentrer. Merci pour votre patience. C'est très bizarre. Yo, Richa. Ah non, ça a été réglé. Ah, il y avait un bug avec le Pokémon, sûrement, selon comment on se plaçait. Bonjour. Pourquoi il y a une cape? Ah, Maver, enfin te voilà. Permets-moi de te présenter notre grand chef, le président Slimane. Je suis désolé, ce prénom me fait rire. Pourtant, je sais qu'il y a des gens qui s'appellent Slimane. Le laissez-passer A38, voilà, c'est ça. Merci Power Clank. Ça me fait penser à ça. Wesh, c'est un chat, il a les couleurs différentes au niveau des yeux. Salut, Maver. Papa? Papa? Nanny the fuck? C'est du grand Astérix. Ça fait un bail, mon grand. Mon grand? Faut bien Béladonis. Béladonis? Enfin, je veux dire, je suis navré, président Slimane. Je suis tout chamboulé. Je pensais que vous n'aviez pas de famille. Non, je suis sans père. Jure, on a un père, par contre. Jure, on a un père dans Pokémon. J'ai un milliard de questions qui me passent par la tête. Qu'est-ce que, pourquoi? Avec maman et Mélodie, on pensait que tu étais enfin. Enfin. Voilà quoi. Mort, oui, ça ne m'étonne pas. Ça fait combien de temps? 8 ans, je crois? Ouais, c'est ça. Tu étais parti pour Johto, pour ton travail, et tu n'es jamais revenu. La police n'a rien trouvé, pas même une seule trace de toi. En arrivant à Johto, je me suis retrouvé dans une histoire pas possible impliquant le dieu Pokémon Arceus et la Team Rocket. Un beau bordel. La Team Rocket m'avait capturé et avait essayé d'utiliser mes connaissances sur les Pokémon pour obtenir plus d'informations concernant les Pokémon. Vous voulez que je monte le son, peut-être un peu, non? Je sais pas. J'ai augmenté le son du jeu de 1 tick. C'est là que les forces de police internationales sont venues à la rescousse pour me délivrer, pour me libérer. Ils leur ont mis une belle raclée, je peux le dire. Mais la Team Rocket ne m'avait pas à la bonne. Ils auraient été trop dangereux pour moi de rentrer au Bourg-Palais, trop dangereux pour moi et pour vous. J'ai donc décidé de disparaître en intégrant cette organisation. Au fur et à mesure des années, je suis monté en grade et j'en suis maintenant son président. Quand j'ai entendu parler de tes exploits à Kanto, la Ligue Pokémon, la Team Infinity, la Team Rocket, je savais que tu étais prêt à te protéger et que je pouvais donc réapparaître. C'est pour cela que j'ai demandé à Belladonis de te ramener jusqu'ici. Voilà toute l'histoire. Je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, mais j'ai fait ça pour vous protéger. Promis, je passerai voir ta mère et ta sœur très bientôt. J'espère que vous n'avez pas revendu toutes mes affaires. Je comprends. Spoiler, si on a tout revendu. Waouh, ça en fait des informations. Je sais pas trop quoi te dire. Eh bien, ne dis rien et laisse-moi parler. Je veux te faire entrer dans mon organisation. Hein, quoi? Tu es un peu jeune pour entrer dans les forces de police internationale, c'est vrai, mais tu as aussi une force exceptionnelle et tu pourrais nous aider. Ça serait sympa de travailler avec toi, oui, mais. Enfin, je veux dire, mon but c'est de remporter la Ligue de Johto, pas de trouver un CDI. Ah, tu as tout à fait raison de poursuivre tes rêves. Eh bien, dans ce cas, disons que tu seras un petit électron libre. Tu seras libre de nous aider si tu le souhaites. La police internationale. La police internationale qui prend le TARDIS. Voilà. Président Slimane, ça n'est pas très très réglementaire toute cette histoire. Mon brave Belladonis, tu oublies un point fort, important, tu le sais. Oh, et quel est-il, président? C'est que le chef, c'est moi. Je fais ce que je veux. Na! Ah, effectivement, oui, c'est un argument valable. Toutes mes excuses. Ben, mon fils prend ceci. Un badge. Mais qu'allons-nous servir? À quoi allons-nous servir, plutôt, même? Qu'allons-nous servir? Ouais, ben, on va servir la force de flic, mais bon. À quoi allons-nous servir? Ça, c'est la vraie question. Grâce à ce badge, tu pourras aller et venir dans le quartier général via des cabines téléphoniques de chaque ville de Johto. Tu pourras accéder aussi à diverses salles, à condition que tu aies les accréditations pour accéder à ces salles. Plus tu nous viendras en aide, plus il augmentera et plus il aura de portes ouvertes. C'est un bon marché, non? Si tu souhaites nous aider, tu peux consulter les PC à l'accueil, voir si des missions sont disponibles. Il y en aura sûrement de temps en temps. Du coup, c'est techniquement facultatif. Bon, peut-être qu'il y aura quelques missions plus obligatoires, sûrement.
Les flics sont nuls, ils ont juste des caninos level 20. Sur ce, je ne te retiens pas plus. Je sais que tu dois être très occupé. Reviens me voir quand tu le voudras. Ok. C'est quoi ça? C'est un tapis, genre? Ok. Jure, c'est quoi? C'est un frigo, ça, non? Oh, il est un sacré frigo. Hein. Est-ce que les meubles, ils sont utiles, en vrai? Je suis curieux, ça. Est-ce qu'elle discute encore, elle? Ah, elle discute encore. Accès non autorisé, ouais. Ah, là, j'ai le droit. Ah, c'est là, les meubles. Oh, jure! Pas mal, en vrai. Oh, c'est des meubles très simples. Oh, celle-là, par contre. Table centre Pokémon. Celle-là est pas mal. On a de la thune? Mais je peux pas acheter, non? Pour le moment, peut-être. Je me présente, je suis le professeur Ikea. Ikea. Et je suis en charge de la vente des décorations. Grâce à une technologie poussée, je suis capable de transférer vos achats vers le PC de votre maison en un rien de temps. En outre, sachez que si vous possédez des coupons de décoration, vous aurez droit à une réduction sur l'article de votre choix. Je vous souhaite un bon shopping. T'as une maison MDR? Ouais, on a une maison. Enfin, on peut aller la réclamer. Je vais aller la réclamer d'ailleurs. Il y a un distributeur là. Ah, jure, on peut se barrer. Ah, oui. C'était quoi? C'était Villegriotte? C'était à Villegriotte, je crois, la maison. Eh oui. Regarde, on va directement lui réclamer. Oh, bonjour mon grand, vous êtes venu voir vous êtes venu voir mon nouveau bout de terrain? Voyez-vous, je viens d'hériter de ce morceau de terre par une tante au deuxième degré. Oui, mais ça, on l'avait vu, ça. Me l'acheter? Oh, sans vouloir vous manquer de respect, vous me paraissez bien jeune pour apporter quelques garanties financières à un tel projet. Je suis le maître de Kanto, blablabla. Ça, on l'avait dit. Oh, mais je vois que vous possédez déjà le badge de Mauville. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Très bien, dans ce cas, j'accepte de vous céder cette propriété pour, disons, 1000 Pokédollars. Top là! Excellent, marché conclu. On lui a acheté 4 planches de bois à ce prix-là. Hein. Vous obtenez un titre de propriété. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je vais vous laisser et retourner à l'aire de détente dans la région de Sinnoh. Bonne journée. Ce serait drôle qu'un jour on le recroise, lui. Allez, justement à Sinnoh. Quelle partie de votre maison voulez-vous changer? Bah là, on peut pas accéder au reste, on est d'accord? Ah oui, d'accord, c'est juste une maison. Ah oui, non, c'est le... D'accord. J'ai compris comment ça marche. Ok. Il me dirait, il te la donne 2 euros. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. C'est petit. Peut-être qu'on pourra l'améliorer un jour. Hein. Je sais pas s'il a prévu. Après, il n'y a pas 12 000 meubles non plus. Hein. La télé, ça doit être le plus cher. Ah non, même pas. Je sais pas l'argent que j'ai en fait. Encore 6 000. On peut acheter au moins une petite table. C'est quoi? Chaise jaune. Ok. Table. Vous ne possédez pas cette décoration. Ouais, il y a masse décoration du coup, en vrai, j'ai l'impression. Les décorations changent des fois. Ok, c'est pas mal, pas mal. Coin de loisir. Ok, c'est pas mal. Bureau avec ordinateur classique, c'est pas mal. Je crois que c'est tout ce qu'on a acheté, non? Ah non, on a acheté l'évier. Ah voilà. Est-ce qu'on peut les utiliser? Non, pas vraiment. Hein. Bah, ça sert à rien. Bon, voilà, c'est beau. C'est chez nous. C'est normal, la démo va jusqu'à Mauville. Donc là, c'est finish, là. Ah, c'est vrai que c'est pauvre en contenu, là. On va aller faire une quête secondaire. Non, c'est là, c'est bon, c'est à droite. Ah oui, en effet, il y a un taureau fou. Salut. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Faut vous calmer, monsieur. Hein. La Red Bull, il faut pas en abuser. Hein. Bon, ok. Attrapons ce truc là. Comment je l'arrête ce con? Ah, faut que je le bloque? Ah, genre. Ah! Faut que je le bloque dans le coin, je pense. Ouais, mais gros, c'est chaud, hein.
Tu appuies sur entrée. Ah, parce que là j'appuie sur. Ça fait rien entrer. Quand t'es à côté de lui. Oh, bah il s'est calmé. Il est bugué. Ah, bah voilà. Une quête secondaire de fait. Merci beaucoup pour ton aide. Je vais pouvoir me remettre en route pour Olivier. Ma famille tient le ranch Meumeu. Si tu passes par là un de ces jours, n'hésite pas à venir me voir. Et voilà, on a gagné un Lememe. Worf. Il y a un Miaous. Et le mec devant la porte. Le mec devant la porte, on l'a vu. C'est horrible, j'attendais mon Voltorb devant la porte comme je le fais depuis des années quand des Pokémon sauvages sont apparus. Mon Voltorb ne pouvait rien faire et ils l'ont saisi et ils sont partis avec. Je ne sais pas du tout où ils sont partis. Tu as un Pokémon avec toi, je t'en supplie de moi. Ok. Le live va se terminer. Non, on va trouver autre chose. Bref, on switchera de jeu au pire. Voilà. Ah, il est là. Oh oui. Le gang de Rakayu. Ah, c'est un combat du haut. Alors, vu qu'ils ont probablement fermeté. Voilà, on va focus le même. Ah, mais ça, c'est de la triche. Oh, le son du combat est tellement fort d'un coup. En vrai. Phantominus. Non, bah non, du coup, autant faire ça, ça. Et ça, ça. Et normalement, il peut pas être affecté, Phantominus. En plus, par l'ampleur, donc. Ah, bah c'est bon, il tape en premier. Et voilà, parfait. Parfait, ça fait de l'XP gratos. On dirait que le Voltorb enlevé par les Pokémon. On dirait le Voltorb, pardon, enlevé par les Pokémon. Il grimpe dans votre sac. Alors, tu as trouvé mon Voltorb? Voilà, tiens, ton. Pourquoi je le regarde pas, le mec? Ok. Voltorb. Mon petit art est dans lui. Merci. Mille merci pour le retrouver. Je n'ai pas beaucoup à vous offrir, mais voici une super potion. Bonjour humain. Ah, c'est Miaous de la Team Rocket. N'aie pas peur, je ne vais pas t'attaquer. Je suis Mickey, le Miaous. Et oui, je parle. Je me suis fait voler une perle d'une grande valeur que je venais de trouver. Des méchants Pokémon me l'ont prise. Non, c'est pas du tout le Miaous de la Team Rocket, du coup. Tu as l'air fort. Est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver les Pokémon responsables de mon infinie tristesse? Il a mis deux S à tristesse. Tristesse. Sniff. Bien sûr, mon petit chat. Merci beaucoup, les responsables de cet odieux larcin sont des vilains ratatas. Par leur faire cracher le morceau, ça leur fera les pattes. Attends, non. Ou alors c'était des coxies, ou peut-être des fouinettes, ou alors des Phantominus. Dans le doute, tu devrais aller les interroger. Tous les interroger. Mickey Miaous débuté. En fait, est-ce que ça me dit de battre des ratatas ou... Regardons ce que ça dit précisément avant de me dire il faut que je cherche. Ah, il faut bien que je les batte, c'est bien ce qui me semblait. Faut que je batte les Pokémon qu'il y a dans le coin, du coup. Il y a moyen de désactiver le cercle des explorateurs. J'avoue que dans les missions, ce serait pas mal de l'enlever. Parce que c'est un sacré bordel, niveau quête. En plus, surtout que tu le sais, c'est toutes les routes, quoi. Ou alors, limite, le mettre dans une autre catégorie de quête. J'avoue. Bago lui suggérait sur son Discord, en vrai. Ah, c'est toi. Je sais que tu n'as pas retrouvé ma perle. En fait, j'avais oublié, je l'avais cachée dans un arbre. Du coup, je suis allé la chercher. Tu m'en veux pas, si? J'en ai trouvé une deuxième aussi. On peut se partager les deux objets, comme ça on est quitte. D'accord? Merci encore pour le coup de main, et désolé du dérangement. On a, oui, une perle. Du coup, c'est worse. Et on va s'arrêter là pour cet épisode de YouTube, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce là, vous abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser en commentaire les retours que vous avez sur le jeu. Pour le moment, il n'y a que ça du coup de disponible, faudra attendre la suite qui arrivera sûrement petit à petit. Sur ce, des bisous, ciao tout le monde.